Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Jean-François du site untidiamant.com et aujourd'hui nous allons procéder au remplacement d'un diamant usagé sur une cellule Excelsound. Voici la cellule. Pour faciliter les manipulations, j'ai enlevé le support du tête de lecture de la tête de lecture. Pour retirer l'ancien diamant, écoutez, c'est très simple, il suffit de d'un côté prendre sa main, de l'autre côté le diamant et tirer. Je vais le remplacer par un diamant de marque Normatch, que voici, un diamant neuf. Et nous allons procéder à la manipulation inverse. Je commence par enficher la tige dans le trou. Je ne fais pas de mouvement de rotation, je pousse tout simplement. C'est terminé. Et on est parti pour 450 heures de musique. Merci à vous et bonne journée.